Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'histoire secrète des Grey. Donc comme vous le savez, j'ai déjà parlé de leur ennemi juré qui n'est autre que les Braithwaite. Le lien de la vidéo sera en description et s'affichera pourquoi pas également à la fin du visionnage de celle-ci. On va s'intéresser un peu plus en détail au secret des Grey. Vous le savez peut-être pas, mais les Grey sont arrivés en 1755 d'Écosse, où ils sont originaires de base. De base, cette famille vient d'Écosse et n'est pas originaire comme les Braithwaite, par exemple, d'Amérique. Lors de la Révolution en 1688, et ceci est bel et bien inspiré de faits réels, hein, tout ce que je raconte là, c'est Rockstar qui s'est inspiré de la réalité pour justement le retranscrire dans le jeu. Donc après l'une des révolutions en Écosse en 1688, le roi est donc remplacé par son gendre, qui est protestant, alors que le roi, de base, était lui catholique. Jusqu'à là, d'accord, il est remplacé, mais comme vous le savez, bien évidemment, il y en a qui vont être pour et il y en a qui vont être contre. Et donc du coup, ça va créer deux teams, deux équipes. La première équipe qui est donc pour les principes et les règles de l'ancien roi, et une nouvelle équipe qui, eux, vont un peu subir la pression du nouveau, parce que c'est quand même lui qui devient le dirigeant, donc s'il a envie de te faire couper la tête, il peut le faire, il peut faire un peu ce qu'il veut, vu que c'est le roi, on va dire. Et donc, du coup, il y a ceux qui, également, comprennent et valorisent à 100% les principes et les règles du nouveau roi. Du coup, ça va faire deux équipes. Et bien évidemment, les Grecs que l'on connaît, eux, étaient donc pour les règles et pour le premier roi, parce que pour eux, il était inconcevable de faire partie de la deuxième équipe, et que voilà, pour eux, ça ne reflétait pas du tout les principes qu'ils voulaient mettre en avant et qu'ils voulaient représenter. Bien évidemment, j'ai simplifié à mort la situation pour que tout le monde puisse comprendre. Le but n'est pas tout simplement de vous faire un cours d'histoire et de détailler toute la situation avec toutes les anecdotes de l'époque, mais simplement que tout le monde arrive à comprendre pourquoi on est arrivé là, la famille Grey, alors qu'ils sont originaires d'Écosse, et qu'ils ont dû donc, par la suite, pardon, dû quitter le pays et arriver en Amérique en 1755. C'est la raison pour laquelle ils sont venus, parce que il y avait trop de pression des dirigeants de l'époque de leur pays, donc l'Écosse, et ils ont dû fuir sous peur de soit de mourir ou de finir prisonnier, ou bien évidemment quand tu ne respectes pas les principes et les convictions des nouveaux dirigeants, tu peux avoir des petits problèmes, et à l'époque ces problèmes-là étaient très graves et pouvaient aller jusqu'à la mort. C'est la raison pour laquelle la famille a donc décidé de partir. Ensuite donc ils vont arriver où ils sont actuellement maintenant, hein. Peut-être qu'entre temps ils ont peut-être voyagé un peu à droite et à gauche, mais voilà, ils se sont construits ici et ont fait leur fortune, donc avec justement le tabac, l'esclavage malheureusement et le coton, tout comme leur ennemi juré, les Braithwaite. Mais malheureusement, l'histoire des Grey est tout simplement fausse. Pour faire simple et que tout le monde puisse comprendre, je vais rester sur la même lancée que depuis le début. Si le joueur se rend à la maison des Grey au chapitre 3, vous connaissez tous son emplacement, elle est située juste à côté de la maison des Braithwaite, et qu'il va à l'arrière de celle-ci, sur le perron, il pourra donc y trouver un homme qui semble endormi. Endormi, ouais, au premier abord. Sur la table à côté de cet homme, il y a une lettre, lettre que l'on va prendre et que du coup on va lire. Moi, je vais vous la résumer pour que tout le monde puisse enfin comprendre cette histoire. Pour faire simple, depuis son départ d'Écosse, Tevish, qui n'est autre que le membre le plus ancien de la famille des Grey à l'heure actuelle, pensait être du bon côté selon lui, le côté pour lequel il s'est battu, et que sa famille et ses ancêtres se sont battus pendant cette révolution et même avant, royaume d'Écosse, qui ne se pliait pas donc aux nouveaux principes des nouveaux dirigeants de la couronne. Bah en fait, c'est pas du tout le cas. Après des recherches comme il est formellement dit dans cette lettre, il y aurait l'un des arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères de Tevish qui n'était en fait qu'un espion de l'autre camp qui était donc pour ce gouvernement et qui n'acceptait, enfin et du coup acceptait les règles du gouvernement et du coup il y avait de la dénonciation, bref plein de choses comme ça, vous l'avez compris, il y a un maillon faible dans la chaîne familiale des Grey et donc du coup malheureusement Tevish n'a pas pu le supporter et c'est la raison pour laquelle il s'est donné la mort, il y avait quelqu'un de sa famille qui tout simplement... Il pensait que tout le monde était du bon côté, tout le monde avait toujours été droit, mais en fait, il figure que dans son arme généalogique, on va dire, il y a un de ses arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères qui ne soit en fait qu'un traître et qu'un ennemi contre lesquels il s'est toujours battu, tout simplement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode et une nouvelle vidéo du même style où on va continuer un peu à parler des deux familles, mais surtout de la famille opposée à celle des Grey. Je vous dis donc à demain, un grand merci à vous tous pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si la vidéo vous a plu, c'était Vince, prenez soin de vous, allez pisse les gens.